Mais qu'est-ce qu'on a beau! Je déteste ça, mais puisque Guillaume déteste encore plus ça, c'est moi qui m'y colle. Alors, très chers invités, chères familles, chers amis, c'est avec un grand plaisir que nous fêtons aujourd'hui tous ensemble un anniversaire spécial à nos yeux. Nous vous remercions déjà tous d'avoir répondu positivement à notre invitation. Votre présence nous était chère et nous fait vraiment très plaisir. Le 18 juillet 2009, nous nous sommes dit oui pour la vie et voici donc 10 ans que cette belle journée riche en émotions est passée. Certains d'entre vous, familles, collègues, amis, s'en souviennent sûrement car vous étiez témoins de notre engagement et présents lors de cette belle journée. Malheureusement, il y a 10 ans, nous étions loin de tous vous connaître puisque nous n'habitions pas encore à Montlban. Nous étions à Courtil, loin de s'imaginer comme il faisait bon vivre par ici. Oui, on a eu bon aussi à Courtil, mais c'était pas la même chose. Pourtant, étrangement, il y a 10 ans, nous nous sommes mariés à Montlban, dans la salle du Grand Courtil, sans imaginer une seule seconde que 7 ans plus tard, nous y serions installés pour de bon. Certainement un signe du destin. C'est pourquoi on avait envie de fêter ça avec vous et de tant qu'à faire rattraper le coup et en profiter pour refaire un genre de mariage un peu décalé avec 10 ans de plus et quelques kilos en plus aussi. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à remercier Jacqueline, la maman de Steph, pour les super retouches qu'elle a réalisées pour que je puisse à nouveau rentrer dans ma robe. Enfin, y rentrer, ce n'était pas forcément le problème. Le problème, c'est qu'il manquait quelques centimètres pour arriver à fermeture, pour arriver à fermer cette satanée fermeture éclair. C'est quand même dingue, quand on y pense bien. Cette soirée, nous la voulions à notre image. Enfin, on l'espère en tout cas. Simple, chaleureuse, entourée des gens que l'on aime avec des rires, du bonheur, de la joie et de l'énergie positive. Il y a 5 ans, nous sommes tombés par hasard sur notre terrain qui était à vendre. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, nous rentrions dans notre maison et de là, nous avons eu la chance de rencontrer de tellement chouettes personnes. Certains sont même devenus de véritables amis dont on ne peut plus se passer.
Fatal Bazooka. Fatal Bazooka. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, tu as une chose à faire, gars. Écoute ça. Représente le hard comme des montagnes, on dirait de la Savoie. Non, ça va pas. Avec celle bonheur, on gèle les grelots. Bordel, les fins plus froides dans ton frigo. Un pied de l'art direct, c'est la pharyngée. Elle m'a revenu, elle est mitra, tu sais. Alors écoute, avant qu'il sera trop tard, avant qu'il sera tout dur, comme un sûr, je l'ai dit. Jouer les papas poules. Mais un conseil mon gars, faut te qu'est cool. Faut te cool. Faut te qu'est cool. On te mettra devant les poules. Faut te qu'est cool, ouais. Faut te qu'est cool. La chute de poule, le nez qui coule. Faut te qu'est cool. Faut te qu'est cool. Faut te qu'est cool. Tu l'as reçu de l'Estal, mais pas besoin. Faut te qu'est cool, ouais. Faut te qu'est cool. Ce fuck est pour ton regard. Ce fuck est pour ton regard. Ouais, dis-leur toi si profanation funky. En direct de Georges de Marseille. I can't love too much.
Mais qu'est-ce qu'on a bon ! Je déteste ça, mais puisque Guillaume déteste encore plus ça, c'est moi qui m'y colle. Alors, très chers invités, chères familles, chers amis, c'est avec un grand plaisir que nous fêtons aujourd'hui tous ensemble un anniversaire spécial à nos yeux. Nous vous remercions déjà tous d'avoir répondu positivement à notre invitation. Votre présence nous était chère et nous fait vraiment très plaisir. Le 18 juillet 2009, nous nous sommes dit oui pour la vie et voici donc 10 ans que cette belle journée riche en émotions est passée. Certains d'entre vous, familles, collègues, amis, s'en souviennent sûrement car vous étiez témoins de notre engagement et présents lors de cette belle journée. Malheureusement, il y a 10 ans, nous étions loin de tous vous connaître puisque nous n'habitions pas encore à Montlban. Nous étions à Courtil, loin de s'imaginer comme il faisait bon vivre par ici. Oui, on a eu bon aussi à Courtil, mais c'était pas la même chose. Pourtant, étrangement, il y a 10 ans, nous nous sommes mariés à Montlban, dans la salle du Grand Courtil, sans imaginer une seule seconde que 7 ans plus tard, nous y serions installés pour de bon. Certainement un signe du destin. C'est pourquoi on avait envie de fêter ça avec vous et de tant qu'à faire rattraper le coup et en profiter pour refaire un genre de mariage un peu décalé avec 10 ans de plus et quelques kilos en plus aussi. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à remercier Jacqueline, la maman de Steph, pour les super retouches qu'elle a réalisées pour que je puisse à nouveau rentrer dans ma robe. Enfin, y rentrer, ce n'était pas forcément le problème. Le problème, c'est qu'il manquait quelques centimètres pour arriver à fermeture, pour arriver à fermer cette satanée fermeture éclair. C'est quand même dingue quand on y pense bien. Cette soirée, nous la voulions à notre image. Enfin, on l'espère en tout cas. Simple, chaleureuse, entourée des gens que l'on aime avec des rires, du bonheur, de la joie et de l'énergie positive. Il y a 5 ans, nous sommes tombés par hasard sur notre terrain qui était à vendre. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, nous rentrions dans notre maison et de là, nous avons eu la chance de rencontrer de tellement chouettes personnes. Certains sont même devenus de véritables amis dont on ne peut plus se passer.
Fatal bazooka. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, qu'une chose à faire, gars, écoute ça. Représente le hardcore des montagnes, on dirait de la Savoie. Non, ça va pas. Avec seul bonheur, on gèle les grelots. Bordel, il fait plus froid dans ton frigo. Au pied de l'art direct, c'est la pharyngée. Elle m'a revenu, elle est mitre, tu sais, chier. Alors écoute, avant qu'il sera trop tard, avant qu'il sera tout dur, comme un sûr, je l'ai dit. On est pas venu pour jouer les papas poules. Mais un conseil, mon gars, faut te dire cool. Yeah.
sweet.